Salut! L'hiver arrive avec ses moins 11 degrés Celsius, donc je me suis allumé un petit feu pour le confort. Et je me suis dit pourquoi pas faire l'électricité de cette caravane, donc j'ai réuni tout mon bordel depuis pas mal d'années. Là, c'est un tableau électrique tout neuf avec une seule rangée. J'ai mon petit livre pour être sûr de pas trop faire n'importe quoi. Là, les différentiels, ce sera de l'occasion. À l'ancienne, il n'y a pas de barre de pontage, ce sera juste des câbles comme ça. Donc j'ai du câble neuf derrière, un petit peu de trucs neufs aussi, mais beaucoup d'occasions. Alors je suis pas un professionnel électricien, donc vous pouvez éventuellement me donner des petites astuces en commentaire. Mais je risque de faire des petites erreurs quand même. De ce côté-là. Voilà. Bon, généralement les barres sont toutes de la même largeur, comme ça on peut mettre n'importe lequel avec n'importe quoi. Il n'y a aucun souci en fait, on peut tout mixer. L'alimentation principale vient vers le haut. Et ensuite, vu que cela c'en est un ancien, ça repart vers le bas. Pour aller dans le différentiel. Faire ça plus proprement évidemment. Sinon maintenant il y a des barrettes de connexion qui connectent tout en même temps par le haut. Et voilà, donc ça, ce sera les prises de courant. Et je vais repiquer par-dessus, du coup, pour reprendre le neutre. Et pareil pour la phase. Donc la principale arrivera ici, et puis faudra que le câble de terre vienne jusqu'ici. Voilà ce que sont mes barrettes de pontage. Bon, j'ai oublié de préciser ici, c'est du 2,5 mm². Alors concrètement, on n'a pas besoin pour une petite caravane. C'est surtout quand on commence à dépasser les 2500 watts. Par exemple pour un four électrique. Mais bon, on sait jamais, comme ça, ce tableau est bien câblé. C'est évolutif. Sauf si j'ai fait une grosse bêtise. De toute façon, je vais tout de suite vérifier si ce montage, c'est pas n'importe quoi. Voilà ce que j'ai fait. Ici, j'ai un câble d'arrivée qui est actuellement déconnecté. Il arrive dans la terre, ici. Son neutre et sa phase arrivent au début du disjoncteur divisionnaire. Ensuite, je suis parti de ce disjoncteur différentiel avec neutre et phase, et aussi avec la prise de terre. C'est une expérience. Donc là, dans un boîtier de dérivation, il y a un petit domino qui arrive à une multiprise, en gros. Sur laquelle est branchée une lampe. Bon, je vais reconnecter ce câble principal et on va tester tout ça. Donc ce qui est pas mal, c'est de pouvoir tester le disjoncteur divisionnaire et ça fonctionne. Voilà, c'est rock and roll. Ah!
Ce spot n'a pas besoin de la terre. Et là, c'est juste pour tester. Ce sera pas l'installation finale. Je vais déjà tester, ensuite je recouperai à la bonne taille. J'ai toujours pas reçu ma prise caravane, donc j'ai mis un bête câble en 1,5 mm². Attention, il est branché au secteur. Et évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, c'est juste pour le test. Ah, ça s'allumait direct. Donc j'ai monté la prise à l'envers. Ça commence. Enfin, ce que j'appelle monter la prise à l'envers, c'est que normalement c'est vers le bas que ça allume et vers le haut que ça éteint. C'est juste l'interrupteur qui est un petit peu monté à l'envers. Ça devrait pas être trop grave. Et je vais tester les prises de courant en direct live que j'ai montées en 2,5 mm² finalement. Même si c'est pas utile, je me suis dit autant prévoir au cas où. Et il n'y a pas de souci, tout va bien. Aucun souci. Donc après, je pourrais partir de là pour continuer et aller dans la chambre. Et pareil pour la lumière. Voilà, l'installation s'est plutôt bien déroulée. Donc je vais enlever mon câble temporaire et attendre la prise caravane. Parce que ça peut être dangereux, rien que pour moi-même en cas d'oubli. Sinon, j'ai encore tous les moulures à faire. Encore continuer l'électricité, remettre une deuxième lampe, vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Et aussi ranger tout ce capharnaüm. Et la lumière fut. C'est rock'n'roll!